Moi, j'ai 4 petits-enfants, 2 filles et 2 garçons. Et je me dis que ce qu'on leur laisse, c'est vraiment scandaleux. On ne peut pas faire ça. Et donc, depuis 2 ans, je travaille avec grands-parents pour le climat, mais je travaille depuis 40 ans à la promotion de l'énergie solaire. 40 ans! J'ai fait mes premières animations à Louvain-la-Neuve en 1979, lors du deuxième choc pétrolier. Et à ce moment-là, on ne parlait pas encore de climat, on parlait de peak oil, qu'on n'aurait plus de pétrole. Mais après est arrivée la question du changement climatique, ce qui devient maintenant vraiment dramatique. Hein. Et donc, nous devons agir pour réduire nos émissions de CO2 et arriver à ce que nos enfants aient au moins un climat viable pour les générations futures. Pour le climat, parce qu'en fait, comme on est encore des petits-enfants, enfin, petits, on est assez grands, et on s'est dit qu'on devrait agir dès maintenant pour penser à notre futur et pour avoir un futur où on pourra laisser des enfants, on pourra laisser un héritage, qui pourront vivre dans un air qui serait respirable, dans un air bien, dans une terre encore vivable et en meilleures conditions, pour qu'ils puissent vivre. Et on doit agir dès maintenant parce qu'on est encore jeunes et qu'on a encore beaucoup d'années devant nous à vivre sur cette terre. Et si on commence pas maintenant, si on se mobilise pas maintenant, on va jamais réussir à changer les choses. S'il y a une grande masse et beaucoup de gens qui vont se réunir pour faire quelque chose ou pour agir, là ça va, c'est possible parce qu'il y aura un changement. Si on s'unit tous et qu'on est tous d'accord, etc., on va changer les choses. Je suis administrateur d'une coopérative citoyenne d'électricité et aujourd'hui je suis venu ici à Bruxelles manifester avec une éolienne. Oui, sur mon éolienne, il est mis en anglais. Ne pas agir vigoureusement pour protéger le climat, c'est prendre une hypothèque sur l'avenir de nos enfants. Donc nous avons l'obligation d'agir pour le climat aujourd'hui. Alors j'ai un petit message pour Anna de Weaver, qui est malheureusement critiquée par les hommes politiques en Flandre, et je suis venu lui apporter un message de soutien, parce qu'en Wallonie, on ne s'en prend pas aux enfants. En Wallonie, on n'attaque pas les enfants, on ne menace pas les enfants. Et malheureusement, en Flandre, on fait cela, et c'est très regrettable. Il faut le dire, c'est inacceptable de menacer des enfants, ça c'est pas acceptable. Of Youth for Climate. We are having a very international day here. We have Greta from Sweden. For way too long, the people in power have gotten away with not caring about the climate crisis.
but we will make sure they will not do that anymore. We will be a pain in the arse. We will keep on striking until they do something. Les jeunes doivent viennent ici marcher partout et ils doivent marcher partout dans le monde pour atteindre ces 25% de convaincus pour vouloir changer les choses. Nous allons basculer l'aveuglement. Let's change the world. On the 10th of January, I saw the first strike here in Brussels, and I thought, this is amazing, we also have to do this. So I sent a WhatsApp to my friends, and they came. 12 people, we came, and we organized a strike in Holland. 2 weeks ago, there were 15,000 Dutch people here. We have had enough. Today, we stand here, not only because the Netherlands, Germany, or Belgium have to do something, but because we have to do something together. Because you know what? We are literally drowning in the ignorance of our world leaders. And we are not alone, Germany's not alone. Your country, all of our country leaders pretend that there isn't a bill to what they call economic growth. But you know what? There is a bill. The bill is being paid by the climate, the bill is being paid by the global south already, the bill is being paid by us, the bill is being paid by our future. And we know about that. They say, you've made your point, now go back to school. Excuse me? Made our point? We are rising for the seventh time today, but did we see any concrete changes? Our future is not secured yet, and I assure you that we will keep striking until it is. Ha ha ha!
Thank you.